Salut les Frambis. Yo les Raiders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant que cette vidéo commence, je voulais remercier les amis Razuko 6, David Gerbert, David Gerlier, Mathieu.aea, Dark Vador SHC, Cédric Nguyen, Gabriel Asami, Léo A, Valérie Demi et le petit dernier Panda Hug pour vos super subs. Franchement, ça fait plaisir. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on a un petit tapis pour nous permettre de faire nos vidéos. Merci, ouais, merci. Merci, merci les amis. Et donc, juste pour la précision, Valérie, c'est plutôt Hugo hein, qui s'est abonné avec le compte de quelqu'un de sa famille. On voulait commencer cette vidéo comme ça pour vous remercier et vous dire que c'est important pour nous de vous remercier. Et puis, vous annoncer avec nos écrans, bien entendu, l'arrivée du nouveau raid Tocorico. Tocorico ? C'est Cocorico, en fait. Ouais. C'est un jeu de mots avec Cocorico. Tocorico, donc c'est un Pokémon de type électrique fait, les amis. Un tout nouveau de la saison Alola. Ouais. Avec l'arrivée de pas mal de Pokémon de la saison Alola. Ouais. Est-ce qu'ils sont tous disponibles en Shiny ou il y en a certains qui le sont? Alors, il y en a deux qui sont disponibles en Shiny. Les petits furets, là? D'après ce que j'ai vu, ouais. Et le chien. Et le chien. Ouais. Le chien, c'est lequel? Celui qui est en raid. Ah oui, je vois. Ouais. Voilà. Donc une machine à cash et un autre qui est encore assez rare parce que je l'ai pas encore vu. Je l'ai vu une fois. Quelqu'un voilà. Qui l'a eu en PVP. Et ben voilà. Cool. Et du coup le nouveau boss, tu en penses quoi de celui-ci? Il est bon ou il va être utile en fait? C'est toujours la même question que je te pose dès qu'il y a un nouveau qui arrive, Seb. Est-ce qu'il va être utile plus tard? Franchement, je pourrais pas te dire s'il est utile ou pas. C'est au niveau électrique. au niveau des PC. Il est dans la moyenne, j'ai envie de dire. Okay. Il n'est pas bas, il n'est pas haut. Tu vois, il est moyen. Bon. Son concurrent en légendaire, c'est Cresselia, le type V, non? Bah, en type V, on n'en a pas 50. Ouais. Il y a Cresselia et j'en vois pas d'autres. Il me semble qu'il y a autre chose. Il y a un autre. Il y a Xerneas, peut-être. Ouais, je crois que c'est Xerneas, voilà. Xerneas. Et après. Mais bon, en électrique, on est déjà servi. Hein. On a pas mal de choses en électrique. Zekrom, Raikou Obscur. Enfin bon. Celui qui vole là, comment il s'appelle? Celui que j'ai pas, j'arrive pas à avoir en 100%. Elector? Non, pas Elector. Le génie là. Ah. Giratina. Non, pas Giratina. Fulguris. Non, Fulguris. Fulguris électrique. Et là, on est 6. Il a grave du mal à tomber. Pourtant, on m'avait dit qu'il tombait à 3, non? Il tombe à 2 et quelques. Sérieux? Ouais. Ah, ça veut dire que les gens, ils ont des Pokémon rincés, non? Non, mais après là, ça va. Ouais. On n'est pas encore mid-time, on l'a presque fini. Après, c'est sûr que si on a tous des équipes. Cheatées? Ouais, si on a tout ce qu'il faut, ça va vite. Hein. Bah oui. Et d'ailleurs, les amis, vous remarquerez qu'on est au spot des 100%, parce que c'est là où Seb, il a eu ses 200%. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. On s'est dit, on veut un 100%, on revient ici. On sait jamais. D'ailleurs, ce 100%, tu le connais? Alors, je me souviens, c'est 18-10 et 22-63. Ok. Donc celui-ci n'est pas boosté. D'accord. C'est quelque chose... J'ai vu, moi, c'est pas 18. Ah. J'ai 17. Bon, bah c'est pas le 100. Il peut pas non plus être shiny pour le moment. Ouais. Alors, est-ce que tu es prêt, Seb, pour voir si c'est un 100%? Je suis prêt. Allez, j'espère qu'il y a le 18-10 chez toi. 100%. 3, 2, 1, go. Je me suis dit, ouais, il n'y a pas de magie cette fois. 17-62 pour moi. 17-46, franchement, c'est chaud. Je sais même pas si c'est le pire ou pas que tu as là. J'en sais rien, mais... En tout cas, les amis, on va le capturer et on se retrouve pour le deuxième raid. À tout de suite. Et rentrer à la première. Les raiders, on se retrouve pour le deuxième raid. Bon, on reprend un petit peu à la fin du boss. Ouais. Parce qu'on vient de croiser notre ami Germain. Rappelez-vous. Rappelez-vous de Germain qui était là dans la première vidéo, je crois, ou la deuxième, Ouais, dans les premières, en tout cas. Dans les premières. C'est le bon retour. Ah, voilà, bah, quoi de revenir. La nostalgie, c'est ça. Après 800 vidéos, mec. Est-ce que tu es prêt pour le 100%? Ouais. Je veux, toujours. Toi, t'as pas pu le faire, Germain, c'est ça? Je ne l'ai pas fait, j'ai vu. Ah là là. Il y en a un, là. Il y a un deuxième? Non, mais c'est celui qu'on vient de faire. Ah oui, celui qu'on vient de faire, ouais. Alors, donc Seb, il a la médaille artillerie lourde, GG. Moi, j'ai la frappe finale. GG. Est-ce que tu es prêt, Seb? Je suis prêt pour le 100. Voir le 100%. 3, ouais, 2, 1, go! Allez, 18-10. 18-10, 18-10. Non, 91. Oh là là. 52. 91, c'est proche. Je regarde Germain, mais en fait, non. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé par réflexe. Non. Allez, on le capture, les amis, et on se retrouve pour un troisième. À toutes. Les amis, pour ceux qui se demandaient, avant qu'on commence les raids, hein, ceux qui se demandaient pour la quête Apex, on en est. Ben, on en est là. On a fait, enfin moi j'en ai fait 30 seulement. T'en as fait 50, t'en as fait 20 de plus. Ouais. Toi t'es chaud. J'ai pas récupéré le Pokémon qu'il y a là, je l'ai gardé. L'autre je l'ai récupéré sans faire exprès. Et puis après en fait on a eu une autre quête, le Melmel. Ouais. Tu as terminé celle-là ou pas? Ouais, j'ai fini ça. Je vais voir ce que c'est, tiens.
J'ai même pas vu. Voilà. Bon, il est pas shiny. Hein. 312, les amis. Là, on fait ça, pourquoi? Parce qu'on attend d'être invité par le type, là, de Gorette Party. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'il va nous emmener? Waouh, le 10-10-10. 10-10-10, les miaous, les amis. Mais 312, c'est trop bas. Le 100, c'est un collector. Mais le 100, c'est pas 400... Bah, il faut croire que c'est le pire, hein. Waouh. Allez, je mets une petite étoile et je le garde, les amis. Et voilà, les amis, il nous a invités. Et donc, il est de Suède et de Örebro. Örebro. Örebro en Suède. Allez, on se retrouve pour le début du fight. C'est parti, les amis. Une arène rouge pour cette fois. Exactement, une arène rouge. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'embêter Seb avec un truc dans ma poche. Ouais, bah arrête, s'il te plaît. Imagine, ça coupe mon enregistrement et tout. Genre, j'ouvre mes AirPods et du coup, ça lui propose des associés. Mais c'est un tic, désolé, mec. Je sors mes mains. Je peux le faire aussi. Pour t'embêter. Avec tes AirPods, ah ouais. Bah ouais. Non, mais je vais pas le faire. En tout cas, les amis, on est dans le quartier de Saint-Lazare, entre Saint-Lazare et Europe, hein, à peu près. Ouais, à peu près. Et là, on est exactement à la rue de la bienfaisance. Donc j'espère qu'on aura de la bienfaisance et qu'on va avoir un 100%. On croise les doigts. En tout cas, les amis, pour les retours du jeu de tour, ne vous inquiétez pas. On vous prépare une petite vidéo où on fait un retour sur nos shiny, sur comment on a ressenti l'événement. Ouais, parce que franchement, ça mérite une petite vidéo. Voilà, une petite vidéo qui sera entre deux events, quoi. On se voyait pas faire ça en deux minutes bâclées en disant ouais, on a kiffé, et voilà. Parce qu'en général, quand c'est sur deux minutes, tu dis ce qui te vient directement à l'esprit et tu repenses pas entièrement à l'event. Bah surtout si on est deux, tu vois. Ouais. Il y a deux avis. Donc ouais, on va vous faire une petite vidéo sur le retour du Joto Tour de cette année. Il y a des choses à dire, voilà. Là, pour le coup, on est 5 et j'ai l'impression qu'on tape mieux que tout à l'heure quand on était 6. C'est fou, hein. C'est presque vrai. Regarde, tout à l'heure, on est arrivé à plus de 160. Mm. Et voilà, les amis, il se couche 18-10. J'ai vu. J'ai pas vu. Tellement bas. T'es sûr, il n'existe pas en shiny? Pas encore. Ok, donc verbal. Donc t'as eu fasciné ça, GG. Moi, j'ai coaché. Tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, go. Allez. C'est là-bas que ça se passe. Allez. Oh. 67 et 64. Oh. Encore plus bas. Il y a une erreur dans la matrice, les amis. Je pense. Ouais. Les amis, je viens de voir. Le pire, c'est 17-30. Et on est loin. Hein. On est loin. Mais 17-30, frère, c'est tellement loin par rapport... Bon, j'espère juste avoir un 18. C'est tout ce que je veux. Voilà, un petit 98 ou un 96, les amis. Allez, on le capture et après, on va essayer de se faire inviter sur un autre. Puisque là, autour de nous, il n'y a rien. C'est toujours calme. On vous dit... À tout de suite. Les amis, le petit dernier raid, on y arrive sur une arène bleue. Et je pense là, ça risque de nous porter chance pour une arène bleue. Écoute, je croise les doigts. Voilà. Vous inquiétez pas, hein. Après ce raid-là, on continuera à en faire. Ouais, nous, on continuera à en faire. Ouais, de toute façon, je crois qu'il reste là 7 jours, 8 jours, un truc comme ça. Oui, du coup, ça nous laisse de la marge, quoi. Bon, franchement, ce qui est bien, c'est que ça fait du changement. Parce qu'à force de nous remettre toujours les mêmes raids qu'on a déjà fait, etc. Oui. Nous, on n'a aucune... En fait, toutes nos vidéos, elles ont couvert tous les raids, en fait. C'est ça, exactement. On a fait le tour. Tous les raids qui sont sortis, on les a couverts. Bah, et oui. Là, il reste... ça, c'est les nouveaux. Et franchement, ça fait plaisir de faire ça. Voilà. Les amis, c'est pour cette raison également qu'on voulait faire du nouveau contenu, hein, d'autres choses que Pokémon Go, pour diversifier un petit peu le contenu. Parce que même pour nous, parfois, c'est pas évident de refaire pour la énième fois un raid Cresselia. C'est bon. Ah, c'est sûr que pour notre motivation à nous, c'est important aussi qu'on ait des choses qui nous intéressent. Et là, c'est vrai que dernièrement, ben, on était un peu déçus par le game. Heureusement, ils ont sorti la région Alola. Ouais, heureusement. La région Alola, c'est ma préférée, mon perso. Toi, c'est la Gen 1, moi, je pense que c'est la Alola. Moi, j'ai pas regardé les dessins animés Alola. Ah ouais, c'est parce que moi j'avais vu le dessin animé, c'est pour ça. Mais je pense. Ils sentent bien les Pokémon. Etc, c'est ça, là. Ils sont stylés, les Pokémon d'Alola, je kiffe. Ouais. Allez, c'est terminé, les amis. Surtout le professeur Chen d'Alola, t'as déjà vu le professeur Chen d'Alola? Non, j'ai rien vu. c'est un entier. Je te jure, vu que c'est des îles. Et il a l'accent ou pas dans le dessin animé? Je sais plus, je me rappelle plus, mais non, en tout cas, il a la teinte, tu vois. Allez, les amis, c'est parti! On va voir si ce dernier raid est le bon ou pas. Est-ce que tu es prêt, Seb? Je me mets dessus. 3, 2, 1, go!
Ultra Shiny. 57. 71. C'est pas possible. Bon, le pire, c'est 30. Hein. Maintenant, on va viser le pire, je pense. Allez, on va capturer ça, les amis. En tout cas, les amis, ça nous a fait grave plaisir de partager avec vous ce nouveau raid Tocorico. Ouais. Ça fait plaisir. Si on a l'occasion, peut-être qu'on fera une autre vidéo. On ne sait pas encore. C'est ça. Sur le sujet. En tout cas, nous, on va essayer d'avoir le 100%, comme d'habitude. Et puis, si on l'a, bah, suivez-nous sur les réseaux, Instagram, etc. Comme d'habitude. On partagera ça avec vous. Hein, si on a le 100%, vous inquiétez. Merci de nous avoir suivis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Et la partager. À cliquer sur t'abonner et sur la cloche pour recevoir les notifications de nos futures vidéos. Salut les frambis. Salut les raiders.